Alors, Devil May Cry 4, 5, la version PC, découverte. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait un Devil May Cry. À l'époque, c'était sur PlayStation 1. J'avais fait les deux premiers. Et celui-là, c'est le cinquième opus. C'est quoi ça? C'est les gants, l'équipement. La
la durée et la variété de vos combos déterminent les points de style que vous obtenez et la note de style affichée à l'écran. Les notes de style influent sur votre score à la fin de la mission. Alors, battez-vous avec classe. Fermé. Bon, en tout cas, ça va, c'est super maniable. Ah, d'accord, l'étoile d'araignée, ça marche toujours, ce système-là. Je m'en rappelle. Ah, un gantelet, je vais le prendre. Là, j'ai fait le tour. Il y a un truc ici, là. Ah, c'est bien ce que je me disais. Lorsque
faudrait que j'installe un porte-manteau derrière ta porte. Hmm? Faudrait que j'achète un porte-manteau. Un quatre trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais par ici.
pareil. Alors on a fait aussi. Ah, vous retrouvez un peu. C'était pas là-dedans qu'on avait trouvé ça. Verrouillé, mince. Bon, à mon avis, il doit y avoir des monstres qui doivent être là. Encore un fossoyeur.
fragments bleus d'énergie vitale cristallisée réunissent en 4 pour créer un cristal qui augmente votre jauge de vie. D'accord. Bon, je vais pouvoir sauvegarder. Ça a l'air d'être sympa. J'aime bien. Voilà, voilà. Bon. On va quitter. Oui. Sauvegarde. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Alors, continuez. Mission. Mission secrète. C'est quoi ça? Je regarde vite fait. Plus tard.